Bonjour Ebi Family, comment allez-vous? Aujourd'hui ici pour notre vidéo avec Brandon et Ashley. Oui, aujourd'hui vous l'avez deviné, on va jouer au tennis. On va jouer sur un petit terrain de tennis ici au parc. Et comme vous pouvez voir, Ashley est déjà prête, elle a ses raquettes. Et puis on va faire un petit match aujourd'hui. On va pas faire un gros match puisqu'ils vont se pratiquer. On fera une autre vidéo pour vous avec un match plus sérieux. Mais aujourd'hui, c'est une petite pratique. Donc, un petit jeu rapide pour vous. Un match de tennis. Donc, Ashley aime beaucoup le tennis. C'est qui ton joueur préféré ou ta joueuse préférée? Zaga. Zaga, et toi? Toi, tu joues basket, mais quand même. Djokovic. Djokovic? Ouais. D'accord. Donc, j'espère que vous allez jouer comme nous aujourd'hui. Donc, vous voyez les amis, on est sur un terrain de tennis au parc. Il fait pas très beau, mais au moins, il fait pas chaud. Trop chaud alors. Pour le sport qu'on va faire aujourd'hui, ils vont pas trop transpirer. C'est parfait, pas trop de soleil. Comme la dernière fois, t'avais chaud, hein? Ouais. Alors là, ils vont s'y mettre pour vous. Un petit jeu rapide de tennis. Ils vont faire une partie de 10 points. Donc, le meilleur de 10, celui qui atteint le 10 en premier, gagne la partie. Et vous connaissez la suite. Il y aura surprise pour le gagnant. Alors, bonne chance à vous. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Tu peux enlever les raquettes du sac pour montrer à quel point tu es experte dans le domaine. Bravo. Raquette jaune pour Brennan et orange pour Ashley. En plus, c'est A. En plus, c'est A? Ouais. Mais là, vous allez décider tantôt qui commence. Donc, c'est un croche-papier-ciseau, comme d'habitude. Ouais. T'as gagné? Ouais. J'ai même pas vu. Vous êtes trop rapide. On commence, c'est moi qui le dis, parce que j'ai rien vu, là. Okay. Croche-papier-ciseau, allumette. OK. Donc. L'autre fois, c'est moi qui ai gagné, mais bon, ça. Ah, moi, tu veux recommencer? Un autre? Ouais. Ok. Oh. Ben, parce qu'il a gagné quand j'ai rien vu et toi, là, t'as gagné quand j'ai compté. Ben, j'ai dit quand j'aurais dit roche, papier, ciseaux, c'est toi qui as gagné. Alors là, on va faire un troisième pour que ça se juste. On va faire un autre. Roche, papier, ciseaux, allumettes. Oh. Désolé. Là, c'est juste. Ouais. Non? Tu veux un autre encore? Ben là. Ah, ben là, ok. Dernier décisif. Roche, papier, ciseaux, allumettes. Oh. Ah, là, il a gagné. Tu peux rien dire. Ouais. Good job. Ok, alors, c'est bien qui commence. Ouais, c'est bien qui commence. Vous savez vos positions. Vous savez, les amis, comment ça marche. Donc, le match de tennis. Place-toi, jeune fille. Alors, Brennan, pour marquer, va devoir. Vous voyez les zones. Le but, c'est que Brennan, quand il frappe la balle doit atterrir dans la zone de Ashley. Donc, vous voyez, la zone verte et jaune, c'est le côté de Ashley. Donc, la balle ne doit pas dépasser les lignes blanches extérieures, sinon il perd son point. Donc, il n'a pas de point. Et Ashley doit faire la même chose de l'autre côté. Donc, elle doit faire la balle atterrir dans la zone de Brennan et ne pas faire la balle sortir à l'extérieur des lignes blanches. Donc, le jeu est quand même assez simple. Brennan va commencer avec son service. Donc, c'est lui qui doit commencer à frapper. Puisqu'il a gagné au roche, papier, ciseau, il va frapper le coup initial et Ashley va devoir répondre en frappant et essayant de marquer son point contre son frère. Donc, un match de 10 points et le vainqueur se remporte, comme vous le savez, une surprise à la fin. Alors, bonne chance à vous deux. Merci. On commence. 1, 2, 3, go. Let's go. Wow, quel échange! Oh, presque! Good job! Donc, il n'y a aucun point ici. On commence. Trop fort, trop fort. C'est pas sa cale. Et voici pour le service. Quel échange! Oh, presque! Lâche pas!
Donc, tu as fait le point, hein? Ouais. 1-0 pour Brennan. C'est quoi lui le service? Frappe très fort, ça le truc. Frappe très fort. Okay. Service. Wow, quel échange. Ah, oh, presque. Ok, on lui donne une autre chance. C'est pas un point. On y va pour le deuxième round. Alors, deuxième point. Brennan a déjà 1-0. Let's go. Concentre-toi, Ashley, t'es capable. Nice. Vas-y, frappe, frappe. On te laisse une chance. Good job. Nice. Good job. Wouhou. Oh, oh, oh. Nice. Ashley a le point. Good job. 1-1. Pour Ashley. C'est ça qu'il faut faire. Faut que tu frappes. Hein? T'aimes Osaka? Alors, montre-nous. Quoi, tu penses c'est un round là? Voici pour le troisième point. Let's go. Qui va remporter ce round? Wow. C'est chaud, c'est chaud. Oh. C'est chaud. Ah. Oh. Ah. Oh. Hein, ça, c'est un petit coup. Hein? Tu l'as pas épargné là. Tiens. Tu vois, il voulait se venger. Il t'a même pas laissé une petite chance. Il pense que t'es un adulte, là, que t'es au Osaka, là, t'as vu? Il t'a mis ça dans le coin là-bas pour que tu puisses pas la frapper. Ouais. Quand même, t'as bien frappé, good job. Bon match à vous deux. Donc, c'est 2-1 pour Brennan. On va y aller pour le quatrième point, les amis. Let's go. Nous voici pour le quatrième point. C'est 2-1 pour Brennan. Alors, quatrième point, on y va. Let's go. Qui aura ce round? Ben, plutôt cette manche en termes de tennis. Wow. Good job. T'as raté. C'est quoi ce coup? T'as fait un petit coup mou là. Un coup de revers. Il manquait un petit peu d'énergie. Donc tu as perdu cette manche. C'est 2-2. Le soleil commence à revenir. Ils vont transpirer et avoir chaud. Ça va être un match sérieux les amis. C'est 2-2. Nous voici ici pour la cinquième manche. Ashley et Brennan, c'est 2-2. Vas-y pour le service. Qui gagnera cette manche? Nice. Oh, presque. Je ne sais pas trop comment faire comme... Hein? Je sais pas trop comment faire comme ça. Il faut que je me pratique plus. Sur le côté? Ouais. De revers? Tu vas être correct, tu vas être capable. Good job. T'as bien eu. On commence encore. On va te laisser une autre chance pour le cinquième round. Une autre chance. Cinquième manche. Deuxième chance à Ashley. On va lui donner une autre chance. Puisqu'elle ne sait pas faire les revers. On y va. Pour le service, c'est à toi. Capable. Good job. Oh, elle était bonne. Elle est rentrée à l'intérieur. Alors, Brennan à ce point, 3-2 pour Brennan. Alors, vas-y, c'est lui qui doit faire le service. Sixième manche, 3-2 pour Brennan. Service. Ah! Oh. Ah! Oh. Concentre-toi, deux mains. Tiens, c'est la balle serrée. Ok, tiens deux mains. Mm-hmm. Serré. Gros suspense. Nice. Oh, il est. Oh. Oh. C'est serré. Ah. Presque. Good job. Good job. Bel échange. Septième manche, 4-2 pour Brennan. Alors, Ashley, t'es capable, j'ai confiance. Concentre-toi, frappe. Let's go. Septième manche, 4-2. Nice.
Nice. Oh, presque. Good job, bel échange. On recommence. On lui donne une chance. Septième manche. On commence. Capable. Nice. Nice. Eh oui. J'ai chaud, j'ai chaud. Oh. 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 Brennan a perdu. Nice. J'ai pas vu ce coup. Je pensais que tu avais frappé sur moi. Je me suis tassé. Good job. 4 à 3. Ashley a réussi ce round. Bel échange. Ouais. Bel échange, les amis. Bon, 4 à 3. On va y aller pour la 8e manche. Let's go. 8e manche. 4 à 3 pour Brennan. Let's go, Ashley. T'es capable. Ashley au service. Nice. Wow, bel échange. Oh! Ah! Oh, presque. Good job. Good job, presque. Bravo. Bel échange. Bon, ben c'est 5 à 3 pour Brennan. Ashley avait presque fait une remontée. Ça a retourné un écart de 2 points. Mais j'ai confiance qu'elle peut remonter ça. Donc, let's go. 9e manche. Allons-y. 9e manche. 5 à 3 pour Brennan. Alors, let's go. Brennan au service. Et il frappe. Et elle réplique. Oh. Oh. Nice. Oh. Oh, nice. Tu l'as eu. Elle t'a eu. Good job. Bon, à un point d'égalité. Donc, Brennan à 5. Ashley 4. Elle a remonté. Les amis, à un point d'égalité. J'espère que ce ne sera pas une égalité encore. Là. Vous êtes toujours proche, vous. Là. On va y aller pour le 10e et dernier round, les amis. La dernière manche. Let's go. Let's go. 10e manche. Oh mon Dieu. Oh. 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 Non. Bon les amis, c'est 6 à 4. Ben a gagné. Alors son frère a gagné 6 à 4. Malheureusement. Alors... Alors sur ce les amis, c'est fini. 6 à 4. Brennan a gagné. Ashley a perdu. Let's go les amis, on a gagné. La dernière fois c'est Ashley qui a gagné. Et là c'est au tour de Brennan. Ouais. Alors comment tu te sens? Je me sens un petit peu triste, mais ça va. Un peu triste, mais ça va. Ça comment? Très joyeux, j'ai gagné. Let's go, la surprise. Alors sur ce les amis, 6 à 4. Un petit match de tennis rapide. Il fait un petit, commence à faire un petit peu chaud. Mm-hmm. Mais c'était une petite pratique. La prochaine fois, il va faire un match plus sérieux pour vous. Un match de 40 points. Et pour l'instant, c'est un petit 15. 40? Ouais, 40. Parce que là, c'est un petit réchauffement. C'est juste pour voir si vous êtes capable de jouer au tennis. Alors là, tu vas te pratiquer un peu plus. Et là, vous allez faire un vrai match. Pour une vraie surprise. Une énorme surprise. Gigantesque surprise. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est une mini surprise, comme c'est un petit échauffement. Et vous avez joué un petit match de 15 points. Non, de 10 points, désolé. Ouais. Alors, comme je vous dis, c'est 6 à 4 pour Brennan. Brennan remporte la victoire aujourd'hui. Brennan se mérite aujourd'hui, comme cadeau, une autre carte de McDonald's de 50 $. Merci.
En plus, j'ai faim. En plus, il a faim. J'ai entendu, il a faim. Sa petite carte, cadeau de 50$ de McDonald's. Et pourquoi ta bouche est ouverte? Toi, t'as gagné 100$ hein, au jeu. Ouais. De choisir la boîte. Alors. Un. Go. Un beau 100$. Alors, lui, il ne peut même pas le dépenser dans d'autres choses, seulement dans le McDonald's. Ça passe à combien? 50. 50? Ouais. Alors, les amis, voici la petite surprise. La prochaine fois, ce sera une vraiment plus grosse surprise, puisque ce sera un vrai match de 40 points. J'espère que vous avez mis notre petite vidéo rapide de tennis entre Ashley et Brennan. Ils se sont amusés et j'espère que vous vous êtes amusés avec nous. Alors, sur ce, la famille Ibi, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petits pouces bleus, ça nous fait toujours plaisir, d'activer la cloche pour ne plus manquer une autre vidéo. Et s'il vous plaît, également, laissez-nous quelques commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, la famille Ibi, on vous dit merci et à bientôt.